Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Raid, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode numéro 1 sur Not All Things Rising. Je pense qu'on va partir sur les dieux perdus, en vrai. Ce serait pas mal. Parce qu'il y a un nouveau dieu, mais je sais pas. Bon, mythe de l'Empire Céleste, on l'a fini, donc ouais, je sais pas, on verra. Contient un spoiler à propos de Immortal Phoenix, un nouveau dieu. Prenez soin de terminer avant de commencer à jouer. Ah! Eh bien, bienvenue dans l'épisode numéro 1 sur le DLC Un Nouveau Dieu. Hein? Voilà. vu qu'on n'a pas trop le choix. Et merde! Oui. Ah, c'est con, j'étais motivé pour les dieux perdus. Bon, anyway, allez-y. A New God. Un Nouveau Dieu contient des spoilers à propos du récit principal. Prenez soin. Oui, bah c'est bon, c'est bon. Non. Vous pouvez commencer une nouvelle partie de Immortal Phoenix Rising, un nouveau dieu, et transférer votre personnage depuis le jeu principal. Vous conserverez l'ensemble de votre personnalisation visuelle, vos pouvoirs divins et compétences recevront leur valeur maximale. Vous pouvez commencer en utilisant votre dernier fichier de sauvegarde en datant du jeu principal. Oui. Bah normal en fait, on a toujours fait le jeu en normal. Hein? Non, mais elle est très très bien. C'est notre ruine principale, elle est très jolie. Oh, ça fait tellement du bien de la revoir. Salut Phoenix. Wow. Ok. Ubisoft Québec présente Immortal Phoenix Rising, A New God. Tabernac. Oui. Oh, pff, oh, bah. Je... Ok. C'est vrai que... Par les dieux. Ça, tu l'as dit. Enfin, tu t'es décidé à venir. Allez, viens. Je vais te montrer notre petite affaire familiale. Mais oui. Échauffement. Oh là là. Hey. Comment ça, elle a le casque. Couvre-chef, non, voyons. Natation. Ah, il y a des trucs que vous avez verrouillés, mais c'est dégueulasse. Non, monsieur. Collecter des équipements divins pour améliorer à la forge des Phaistos. Toujours plus. Mode didacticiel. Ouais, super. C'est sympa, hein? Oula, c'est un peu moins sympa, ça, dis donc. Direct, à peine j'arrive, boum! Un cadenas, c'est verrouillé. Que le tartare t'emporte, maudite buse! Ce ne sont pas les perchoirs qui manquent par ici! Va donc te poser quelque part! Bienvenue dans l'Olympe, Phoenix, le foyer des dieux et du Panthéon, le petit cercle des dieux dont les pouvoirs influent sur le monde des mortels. Après tes prouesses sur l'île d'or, nous avons estimé que tu étais digne de te joindre à notre petite bande. Viens voir ici. Ça veut dire que je vais pouvoir devenir un dieu ? Bon, nice. Avant qu'on commence, tu as des questions ? Au moins 1000, oui. Pas de questions, alors. Quoi ? Formidable. Donc, tu as prouvé ta valeur lors de tes aventures. Tu fais partie de la famille. Mais
Être une divinité n'accorde pas automatiquement une place au Panthéon. Ceci dit, tu en as l'étoffe. Et Papa Zed est prêt à t'offrir ta chance. Papa Zed. Une minute, j'ai plusieurs choses à te dire. Déjà, nos aptitudes sont différentes ici. Heureusement d'ailleurs, sinon Athéna et Arès casseraient tout en moins de 2 minutes. D'autre part, nous allons te mettre à l'épreuve. Pardon. Tu vas devoir faire des choses, et dans l'ordre, pour prouver que tu es digne du premier cercle. Et pas de potion, c'est de la triche. Pardon ? Mais je... Quoi ? Zeus prend cette cérémonie très au sérieux. Enfin, au sérieux selon ses critères. Alors, par ordre de Zeus, tu dois subir des initiations avant d'aller plus loin. Celle-ci est la première. Et tu ne pourras pas parler à papa avant d'avoir fait tes preuves. Ce n'est que ton statut d'immortel qui est en jeu, après tout. D'accord ? Zéro pression. Bah oui. J'ai pas... J'ai... Si ça se trouve, j'ai pas été immortel. Ouais. Comment ça, pas de potion ? C'est vrai que j'ai plus de potion ! Mais... C'est moi, il est rentré dans le poteau, lui. Oh... Plus de popo. Ah bah super. Waouh. Oh putain, même le temps de le chargement était stylé. Je vais vous le laisser celui-là. Waouh. Oh. Épreuve d'Hermès. Une petite question au passage. Tu n'as pas besoin d'acheter du bétail ? Je peux t'en avoir à bon prix. Ta gueule ! Ah oui, non mais ça on connaît. Les orbes d'énergie, on connaît. C'est bon, c'est ok. Are you ok ? C'est ok. Non mais... Ah oui, avec le cours d'Arès. Ça va être Athéna. Ah... Ouais, va falloir se rappeler, hein. Par contre, l'eau, là, c'est bof, hein. C'est comme ce qu'ils nous disent, va falloir finir le jeu principal avant de pouvoir rentrer. Et du coup ils disent, alors si jamais hein, pour sauter, tu peux faire un double saut. Non mais mec, t'es sérieux quoi? J'ai fini le jeu... Oh ça pue. Aïe 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 aïe. Bam. Là. Là ça fait du bien par contre. Ah oui, par contre faut que je fasse gaffe parce que... Olé. T'es où toi? Viens ici toi. Ouais mais le problème c'est que j'ai pris des dégâts. Et que je peux pas me soigner. Ça c'est la caca, voyez-vous. Ok, je comprends. Understood. Putain, c'est beau, hein. Franchement, je kiffe. Quoi ? Elle a jamais voulu me remettre les ailes. Toujours ce même problème avec ce bouton, c'est ça? Oh non. De manière, j'ai acheté une nouvelle manette Xbox, Xbox One, je sais pas quoi là. Parce que
qu'on a acheté bien mi-temps et que bah, sur PC, nous deux, ma copine et moi, et du coup, bah, il n'y a que la manette Xbox qui marche. Alors qu'il disait que la manette PS4 marchait, c'est faux. Oh merde. Blam blam. Ah bah ok. Donc moi et ma copine, bah non. Quand ma copine veut jouer, bah et que moi j'ai envie de jouer, je peux pas. Et que là on a qu'une manette Xbox, enfin celle que j'avais achetée, du coup on est parti en acheter une deuxième. Et Yav, j'avais pas, mais c'était. Maintenant c'est du USB C. Ça a l'air plus costaud que le micro USB. Donc on va voir. Je vois que la manette PS4 est un peu trop fatiguée, parce que bon bah ma mère elle a commencé à avoir un peu de l'âge. Je crois que lui en 2015 ou 2016, je sais plus, donc ça fait 4-5 ans quand même. Et les manettes ont été achetées en même temps que la PS4, donc forcément. Ouais, j'ai gagné ma place au sein du premier cercle lorsque je n'étais encore qu'un enfant. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Je m'en fiche. Ouais, non, mais attends. Eh oui. Eh oui, forcément. Forcément, il y a un coffre. Comment j'ai pu oublier ça, moi? Oh, ça se trouve, je l'ai passé comme un abruti. J'ai complètement zappé les coffres. J'ai... Ah bah tiens, en parlant de coffre, salut. Bon bah... Let's go, hein. C'est y part, hein. Ouais, peut-être passer par là. Je peux... Ah, je peux, ouais. Quoi? J'ai pas le droit de m'insurger, c'est ça, hein? Ouais, j'ai complètement zappé, quoi. Là, tu sens qu'elle a un peu du mal quand même. Oh oh. Il l'a pas chopé. Allez, salut. Merci à tous. Et à tous, salut, hein. Salut, hein. Ah, elle a pas voulu choper. Salope. God fucking damn it. Une popo, ça serait tellement plus passé. Ah, dommage, mais il y a de l'idée.
Mais quoi? On va voir si c'est le jeu qui est fini à la pisse. Ah, maintenant il y a plus de son. Ah, il y a plus de son. What the fuck? Tu changes de manette, il y a plus de son. Allez vous faire foutre. Très bien. Et je peux même pas sauvegarder? Non mais sérieux? Allô? Le son? Ah bah le jeu il a planté, niquez-vous, voilà. Niquez-vous, 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 niquez-vous. Juste parce que j'ai changé de manette. Ouais. Sinon Super Mutant, qui est pas un jeu triple A, lui il y arrive, hein. Et sans bugger, hein. By the way. Voilà, elle est juste neuve la manette, donc... J'espère qu'elle va marcher quand même. Putain, les joysticks sont durs. Hein. Alors. Putain. C'est chaud. De l'énergie. Sérieux? Ah ouais. Ah bah ça va être vachement utile hein. Ah putain, stylé n'empêche. Bon, heureusement que j'ai été le récupérer parce que ouf. En plus je peux même pas sauvegarder rien. Putain mais c'est la dèche. C'est la dèche mon gars. S'il te plaît, respecte-moi je. Ok. Merci, merci pour le respect, merci pour la mort du respect. Merci. C'est bon. Nickel. Mais t'es sérieuse là? Tu vois pas que j'appuie sur un bouton là? Mais what the fuck? Non mais... peut-être le dernier coffre il est là-bas.
Putain, t'es obligé de bourrer le bouton en fait. C'est tellement mal fait. Je suis désolé, hein, mais. Mais merde quoi. Durer la boîte de Pandore. Vêtements de Auray. Nice. Et mais le coffre. Non mais attends garçon, attends. Laisse-moi sauvegarder déjà. Non mais laisse-moi sauvegarder. Non mais... Oh shit. Bravo Phoenix! Je savais que tu réussirais. Bon, d'accord, j'avais parié sur ta défaite, mais c'est pas grave. Je dois de l'argent à Athéna du coup. Mais bon, je suis ravi de m'être trompé. Alors, je suis prête pour le Panthéon? C'est moi ou il bougeait pas les lèvres? C'est possible. Oh non, 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 carrément pas, non. Tu n'es prête qu'à paraître devant Zeus et à commencer ton ascension vers le Panthéon. Alors monte là-dessus, grimpe sur la plateforme d'Héphaïstos et va parler à Zeus. Et prépare-toi aux vraies épreuves. Oh, et au fait, ne te fie surtout pas aux apparences dans la région. Viens me voir après avoir parlé à papa, et je t'en dirai davantage. Équipez-vous des points hein, pour bénéficier d'un double saut supplémentaire dans les airs. Oh. Oh. Ah, mais du coup, 100% de la vitesse, des pouvoirs divins. Ouais, ça veut dire qu'il y a ça quoi. Ouais, c'est déjà j'ai sauvegardé mon gars. Voilà, déjà sauvegarde. Wow, j'étais pas prêt. Vol plané, ok. Même pas j'ai atterrissé là-bas. Ah ça c'est pour sauter de l'autre côté. Ah d'accord. Oh, t'as pas besoin de sauter en fait, t'as pas besoin de mettre tes ailes ou quoi, c'est... C'est quoi là-bas? Oh yeah! Mais tu ne peux pas voler! Mais quoi? Pourquoi je... Et il voulait pas passer dans le trou, sérieux? What the fuck? Bon, ouais, salut, hein. Cet endroit est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais vraiment vivre ici? Je suis obligé de taper? Si je tape, il va être content. Oh, damn.
Ah, du coup, ah, pour améliorer, faut que j'aille récupérer. YMCA. Excusez-moi. Olé, allez, fire. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Salut, tonton Zeus. Faut que je me réhabitue du coup aux manettes 360 Xbox. Quoi, je peux même pas passer par les jambes. Salut. Même pas un petit truc en cœur là, un petit slip. Ça doit être Arès. Arès, c'est les combats, donc en vrai, je garderai peut-être ma tenue de combat. Tonton Zeus, papa Zeus. Les Panthéons. Papa, Zeus, Seigneur Zeus, Seigneur papa. Je sais plus. Il faut s'agenouiller ? Ah bah, je suis pas contre. Bon, on va passer à l'essentiel. Phoenix, tu es ma fille et l'héroïne de l'île d'or. Tu as mérité d'accéder à l'Olympe. Mais il y en a certains, et pas des moindres, qui affirment que tu mérites aussi une place dans le premier cercle du Panthéon. Qu'est-ce que tu dis de tout ça ? Je suis venue pour aider le monde et ses habitants, alors si une place ici peut m'y aider... Oui, oui, aider les autres, patati patata, l'altruisme, d'accord. Mais c'est à nous, les dieux de l'Olympe, de juger si tu en es vraiment digne. À ce propos, où est passé tout le monde? J'espérais voir les dieux dont j'ai tellement entendu parler, comme Hestia et Déméter et... Oh, et ton frère Poséidon, je peux le rencontrer? Je n'ai pas très envie de parler de ces abrutis. Bon, pense plutôt aux dieux que tu as aidés sur l'île d'or. Ils se sont tous portés garants de toi. Tu as déjà obtenu la bénédiction d'Hermès, alors réussis les épreuves d'Athéna, Aphrodite, Arès et... comment ils s'appellent déjà? Bon, peu importe. Acquiert leur bénédiction et ensuite, tu reviens me voir. Chaque divinité te lancera des défis, des épreuves d'initiation et de mystère. Et à la fin, tu passeras une épreuve de bénédiction. Tu obtiens la bénédiction de chaque dieu et puis tu reviens. J'y arriverai. Tu seras fier de moi, Seigneur Papa. Je suis déjà très très fier. Allez, bonne chance. Ok, pourquoi lui il est... c'est Hermès? Putain, c'est un peu... Voilà. Pardon. Donc, je présume que là, c'est Aphrodite, Arès, Athéna et Héphaïstos. Ok. Are you okay? I'm okay. Pourquoi il fait sauce? Parce que bah. La forge. Salut. Quoique. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois, vu que là. Mais j'ai tellement l'habitude d'appuyer sur cette touche, bordel. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en dites dans les commentaires. Si ça vous intéresse de regarder ce DLC, parce que à voir, ça a l'air d'être que des espèces de cryptes, des failles, que des donjons, quoi. Que je sais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bah on verra du coup si ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse pas, bah on ira faire les dieux perdus, je pense. Anyway, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci, comme d'habitude, pour toujours savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus
à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.